Bonsoir à tous, bienvenue à la corniche au Pilat-sur-Mer. Donc ce soir on va parler de l'état de surface, il faut tenir compte donc des caractéristiques de l'implant, quels sont les facteurs que l'on peut prendre en considération. Je vais poursuivre mon propos par caractéristiques de ce nouvel implant. Le fait d'avoir un col réduit va limiter ce phénomène de surcontrainte. Moi ce qui m'a vraiment intéressé dans l'implant BLX, c'est la nouvelle morphologie du pilier. Vraiment apprécié cette soirée, vraiment très agréable, très instructif. Très belle soirée animée par trois très bons conférenciers, un beau travail en équipe avec une très belle présentation sur ce nouvel implant. Stroman a fait les choses vraiment bien au niveau de la qualité de la présentation avec plusieurs cas cliniques illustrant l'intérêt notamment lors d'extraction implantation immédiate de ce nouvel implant BLX. Sur le plan des conférences, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça allie à la fois les expériences cliniques issues des cas cliniques de ce nouvel implant et vous reprenez aussi les parties théoriques. Donc j'ai trouvé ça très complet comme formation. L'implant BLX, c'est un implant qu'on a envie d'essayer, effectivement, par toutes ces nouveautés. On a eu un TP qui a suivi, qui était très encadré, très intéressant, et qui nous a permis de le tester. Ça nous permet d'avoir un ancrage primaire beaucoup plus important dans les cas où il y a de l'os de mauvaise qualité. Ça donne vraiment envie de l'utiliser cliniquement, puis avec la partie manipulation en TP, qui est assez intéressante pour avoir un début de sensation et qui donne envie de l'utiliser.